Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles qui vont être plus belles que jamais car nous partons sur les traces des caravaniers de la route de la soie. Nous sommes en Asie centrale et plus précisément en Ouzbékistan. Alors bienvenue à tous, Rouge Calypsis. C'est sur cette route légendaire qui était un axe stratégique entre l'Orient et l'Occident, un carrefour des civilisations que nous allons voyager dans ce pays presque aussi grand que la France, qui regorge de trésors architecturaux et surtout de personnes très attachantes. Alors c'est parti pour un voyage entre Tachkent, la capitale, et Boukhara, sans oublier la mythique Samarcande. Il était une fois. C'est vraiment incroyable qu'il y ait des gens qui se transportaient sur la route de la soie pendant des milliers de kilomètres. Je me demande vraiment comment ils faisaient. Non, tu ne rêves pas, c'est bien la réalité. Tu es bien en résistant. Une route de légende. Nos ancêtres nous ont légué ce lieu historique et je suis très fier et très heureux d'y travailler. Samarcande, Ouzbékistan, bienvenue. Merci. Des villes qui invitent au voyage. Je dois t'avouer un véritable coup de cœur pour Boukhara. Oui, cette ville, c'est un peu comme une mère pour moi. Kiva est une ville magique. On s'y sent riche. Dans cette boutique, j'ai l'impression d'être dans les contes des mille et une nuits et d'entrer dans la caverne d'Ali Baba. Des savoir-faire et des traditions qui ont franchi les barrières du temps. Forgeron, c'est le métier le plus indispensable de la vie quotidienne. Quand on se fait masser, on sent d'abord des douleurs. Ensuite, on s'habitue. Et enfin, on se relaxe. Sophie, voilà notre spécialité nationale. Le fameux plov. On prend des forces avec ça. Hein. Une découverte de l'Ouzbékistan. J'ai navigué sur ce bateau-là. J'ai vu des tempêtes, des vagues comme une montagne qui nous passait dessus. En empruntant la plus envoûtante des routes. La nature a donné sa beauté à la steppe pour que les jeunes filles viennent y cueillir des fleurs au printemps. Merci. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Très vraiment. Très heureuse de te rencontrer. Bah, écoute, moi aussi, puis c'est toi qui vas m'accompagner en plus ici. Avec plaisir. Tachkent a vraiment toujours été un carrefour entre Orient et Occident. Les caravanes des routes de la soie passaient par ici? Absolument. Ouais. Toutes les caravanes passaient par ici. En fait, toutes les caravanes, on s'arrête ici pour repartir vers Samarcande, Boukhara et Khiva. Là, tu m'as donné rendez-vous sur une place que tout le monde connaît à Tachkent, devant la statue d'Amir Timur, Tamerlan, qui est un personnage très important pour l'histoire du pays. Absolument. C'est notre héros national qui a créé son dynastie de Timouride du 14e siècle. Et là, la main tendue, c'est la promesse de protection. À l'époque soviétique, c'était les statues de Karl Marx. Ah oui, tu as une photo là. Donc elle a été démantelée à la chute de l'Empire soviétique. Après l'indépendance, en 1991 et en 1993, s'était installée le statue d'Amir Timur. On voit derrière le statue Hôtel Ouzbékistan, qui est très connu, la date de l'époque soviétique. Elle est très présente, hein, l'architecture soviétique ici à Tachkent. Et un peu mélangée, soviétique et moderne. D'accord.
Sophie, je t'amène au marché. Ok. Le marché s'appelle Tcharso. On prend le métro pour y aller. Alors, moi, j'ai un billet, là. Donc là, j'ai 100 000 soum, hein, parce que la monnaie locale, c'est soum, c'est ça? Oui, c'est 10 euros, Sophie. 10 euros. Bon, ça, ça va. Et là, le billet, je vois qu'il est à... 14 centimes. 14 centimes, en effet, c'est pas cher. Alors, on va vous prendre deux billets, madame, s'il vous plaît. Ah, comme ça, j'aurai de la monnaie, hein. Ouais. Merci, belle homme. Élégante cette station là avec les lustres, le marbre blanc, qu'est-ce que c'est beau! Chaque station est différente et nommée différemment. En tout cas, ce sont les. À l'époque soviétique qu'on a construit. À l'époque soviétique, tout à fait. Après, ouais, ça rappelle un peu le métro de Moscou hein, aussi, qui est très beau. Merci, les gars. Non? C'est bien élevé. Là, celle-ci aussi, alors elle est très belle avec ses mosaïques. Alors celle-ci, elle est sur quel thème alors? En fait, ça s'appelle Alisher Navai, très connue du 15e siècle, une grande poète. Elle est très très belle celle-ci. Ouais. Je crois que c'est ma préférée là des trois. Sophie, nous voilà au marché de Tcharso. Tu as vu comme la coupole est immense? C'est spectaculaire, c'est immense à l'intérieur. Je ne sais pas si cette expression existe, mais c'est presque de l'architecture orientaliste soviétique, tu vois, un vrai mélange en fait entre ces deux influences. Tout à fait. La coupole a quatre entrées qui symbolisent le carrefour de la grande route de la soie. Dès le Moyen Âge, les caravaniers s'arrêtaient pour échanger leurs marchandises. C'était le lieu de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Regarde, tous ces visages métissés. Il y a près d'une centaine d'ethnies en Ouzbékistan. Regardez ces brochettes, ça c'est bon, c'est ouzbek. Oui, c'est très bon. Qu'est-ce que vous préparez ici, madame, sur ce marché? Du norin et du rassip. Ça c'est le norin, de la viande de bœuf et de cheval dans une pâte très finement coupée. Et ça c'est le rassip, nettoyé et farci avec de la viande et du riz. Très bien. Bonne journée, madame. Merci, bonne journée. Regarde Sophie, c'est du Novot, une sucrerie. J'en achète toujours ici parce que c'est fait maison par ce monsieur. J'ai compris, faut pas compter. J'ai compris. Sophie, nous allons prendre le train et dans seulement 2 heures, nous arriverons à Samarcande. Je réalise un rêve grâce à toi, tu sais. En plus, on va chez toi, là, hein, Samarcande. Oui, exactement. C'est la ville où je suis née. Je suis impatiente. Il est beau votre TGV, dis donc. Voiture 8, je crois qu'on est là. C'est ça, monsieur? Bonjour. Oui, c'est ça. Allez-y. Thank you.
Les siècles ont passé, la magie de la route de la soie demeure. Grand voyageur dans l'âme, les Ouzbeks disposent depuis une dizaine d'années d'un service de train rapide dernier cri, le seul d'Asie centrale. Avec des pointes à 250 km par heure, deux petites heures suffisent aujourd'hui pour relier Tashkent à Samarkand, contre 9 jours à dos de chameau au temps des caravanes. À l'époque, les trois quarts de l'Ouzbékistan étaient couverts de désert et de sable, et c'était les caravanes qui reliaient les villes entre elles. Un trajet qui prenait beaucoup de temps. Mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne, avec ce TGV qui va à Samarkand. Une modernité qui étonne les visiteurs de passage. C'est génial! Super confortable et plutôt surprenant. On n'a même pas de train rapide comme cela en Angleterre, donc c'est drôle. À bord, le dépaysement est garanti, dans une ambiance orientale et toujours festive. Comme vous pouvez voir, dans notre train, les voyageurs ne vont pas seulement d'une ville à l'autre. Ils passent aussi leur temps à faire la fête. Un train rapide est bon marché pour les touristes. L'équivalent de 10 euros à peine pour parcourir 250 km et découvrir les grandes cités du pays. Moi, c'est la première fois que je le prends. Je ne vois que des avantages par rapport au train ordinaire. Même si on roule très vite, on ne sent pas les secousses de la route. Prochaine gare, Samarkand. Carrefour entre l'Asie et le Moyen-Orient, la route de la soie fut pendant plus de 3 millénaires l'un des axes les plus stratégiques au monde, où circulèrent caravanes, peuples et marchandises. Fakhreddine est cultivateur de melons. Été comme hiver, il propose ses fruits sur les marchés de la région. C'est notre entrepôt de melons. Il y en a 15 000 au total, accrochés et répartis dans 6 salles comme celle-là. On va prendre des melons d'ici pour les vendre sur le bazar. Jazur, Hamza, venez. On va remplir la voiture. Sa voiture, une authentique Lada Kombi Moscovitch, rescapée de la période soviétique qu'il va charger comme une mule. C'est mon grand-père qui a acheté cette voiture dans les années 80. Elle peut porter une tonne, soit environ 250 à 300 melons. Le coffre est petit, c'est pour ça qu'on les met sur les sièges arrière. Et si besoin, on les met dans un sac et puis on les accroche sur le toit. Ok les gars, je vais au bazar. Comme souvent en Ouzbékistan, le bazar se trouve au bord de la route principale. On y trouve à profusion courges et tomates, sans oublier de gros melons, réputés depuis la nuit des temps. Ça fait des siècles que l'on cultive le melon ici. Les auteurs du Moyen-Âge avaient écrit dessus, notamment le poète Babou, le petit-fils de Tamerlan, qui mentionne dans ses mémoires le melon ouzbek, en disant qu'il était délicieux comme le miel. Comme pour ses ancêtres commerçants, la route est un axe vital pour Fakhreddine afin d'acheminer sa précieuse cargaison. Les Ouzbeks ont toujours fait du commerce sur la grande route. Ils voyageaient avec des mules à la recherche de marchandises. Mon père a continué cette tradition en transportant le melon dans les autres pays de l'ex-URSS, jusqu'en Allemagne. Et voilà les 200 melons. La voiture a tenu. Elle s'est laissée glisser en toute légèreté. Si les véhicules à moteur se sont imposés sur l'ancienne route légendaire, d'autres privilégient un mode de transport plus lent et traditionnel. Dans la région d'Ayaskala, un désert à l'ouest du pays, Dilbar élève ses chameaux. Des animaux résistants à ce climat désertique,
et qui ont bien failli disparaître au XXe siècle. Traditionnellement, les éleveurs avaient des chameaux pour la viande, la laine ou le lait. Mais nos ancêtres utilisaient les chameaux aussi comme un moyen de transport. Les commerçants chargeaient leurs marchandises en Chine, par exemple, et voyageaient de ville en ville. De 4 chameaux au départ, Dilbar possède désormais plus de 50 bêtes. Aujourd'hui, c'est un autre genre de chargement que transporte l'animal, le touriste. Monsieur, vous êtes prêt? Let's go. Ce voyageur belge est venu explorer ses forteresses aux confins du désert. Je travaille en finance, c'est un métier qui évoque beaucoup de stress. Et ça fait exceptionnellement du bien de venir ici pendant 2 semaines, se relaxer. Le mode de vie est beaucoup plus lent ici, on fait tout à son aise. La route de la soie, cette steppe, ce désert, des chameaux, des énormes mosquées, caravansarais, des madrassas. C'est vraiment incroyable qu'il y ait des gens qui se transportaient sur la route de la soie pendant des milliers de kilomètres. Je me demande vraiment comment ils faisaient pour traverser tout le continent comme ça. Une escapade comme un clin d'œil à ce sentier mythique. Place du Régistan. C'est pas un mirage, hein, c'est bien réel. Hein. Non, tu ne rêves pas, c'est bien la réalité. Tu es bien au Régistan. Alors, un peu comme tout le monde, on va faire notre petite photo souvenir. Ça y est, j'y suis. C'est clair. Alors, au départ, ce lieu, c'est surtout cette place centrale. Il n'y avait pas les madrassas autour, les écoles coraniques. Effectivement, Sophie. En fait, Régistan, ça veut dire endroit sablonneux. Avant, c'était juste une place pleine de sable. Au XVe siècle, Ulugh Beg, le petit-fils de Tamerlan, qui était astronome, a fait construire la première madrassa. C'est l'ancêtre des universités d'aujourd'hui. Deux siècles plus tard, le gouverneur de la ville a fait construire les 2 autres écoles. Le sable a laissé la place au pavé. Quand tu t'imagines qu'à une certaine époque, là, ça a vraiment été le centre du monde, hein? C'est vrai? À l'origine, c'était déjà l'endroit où tous les commerçants de la grande route de la soie s'arrêtaient. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Regarde le dôme, là. Les couleurs. Ouais. Oh, c'est un bleu turquoise superbe. Hein. Oui, c'était la couleur préférée de Tamerlan. On va voir à l'intérieur. Cet endroit est extraordinaire, là. Où sommes-nous exactement? Ce lieu s'appelle la Madrassa de Tilakari. Sa particularité est qu'elle est ornée d'or. Rien n'était trop beau, hein? Elle a été construite au début du XVIIe siècle. Il faut imaginer qu'on y enseignait le Coran et la théologie et les sciences exactes. Sophie, je t'emmène dans un passage secret. Fais bien attention à ta tête. Je vais te présenter mon ami Bakridine, qui dirige la restauration des monuments de Samarcande. On va restaurer cette partie-là.
alaikum. Salam alaikum. Je te présente Sophie, qui vient de France. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous réalisez ce pouvoir de fascination que le Régistan peut provoquer chez certains voyageurs ? Oui, bien sûr. Nous avons une histoire très profonde, et les gens viennent du monde entier pour admirer notre patrimoine. Nos ancêtres nous ont légué ce lieu historique, et je suis très fier et très heureux d'y travailler. Alors, en quoi consistent les travaux de restauration que vous avez à faire ici et sur quelle superficie s'étend ce lieu ? Le Régistan s'étend sur près de 5 hectares. Chaque matin, on essaye de repérer s'il y a des endroits abîmés. Quand il y en a, on les restaure en conservant toujours au maximum la version originale. Mais c'est un travail à vie que vous avez ici ? Ah oui, complètement. Il y en aurait pour toute une vie. Je vais vous montrer ma fresque préférée. Elle représente une scène de chasse avec des lions-tigres entourés du soleil. C'est de la mosaïque découpée et collée. On en a restauré une grande partie il y a 15 ans. C'est vraiment fascinant. Par contre, j'ai un petit problème, Bakridine. Je trouve que c'est tordu, là. Vous avez remarqué ? Ça penche. Oui, c'est normal. Il est comme ça depuis 600 ans. Venez, on va y grimper. Il faut passer par cette porte. Autre passage secret. Quelle chance on a d'être ici grâce à vous. Tu es contente ? Ah là là, je suis ravie. Attention à vos têtes. Alors, on se tient à la corde. Oui, on se tient à la corde. Dis donc, c'est raide, hein ? Ouais. Attends, je reprends mon souffle. Sophie, on est enfin arrivé tout en haut. Tu vas pouvoir admirer toute la splendeur du Régistan. Passe devant. Je passe devant, ok. Je crois que je vais comprendre pourquoi Edgar Allan Poe disait que Samarcande était la reine de la terre, fière au-dessus des autres. Tu as vu comme c'est joli ici? Nous sommes à Konogil, un quartier de Samarcande. Je vais te présenter mon ami Zarif qui fabrique du papier. Mais ce n'est pas un papier ordinaire. Il va t'en dire plus. Bonjour Zarif. Zarif, tu es là ? Salam. Ah, bonjour. Salam, les gens. Mon ami m'a parlé d'un papier spécial. Le voilà alors. C'est du papier de soie. On en fait en Ouzbékistan depuis le 8e siècle, mais on a arrêté au 18e. Alors nous, on a décidé de recommencer. Qui dit papier de soie dit verre à soie. Vous les utilisez toujours ou pas ? Non. On n'utilise plus de verre à soie, mais des branches de mûrier qui donnent un résultat doux comme de la soie. C'est brillant et résistant. Quelles sont les différentes étapes de fabrication de ce papier ? Là, je vois dans cet atelier que vous avez plusieurs postes différents. D'abord, il faut tremper, puis nettoyer l'écorce des mûriers pour pouvoir bien séparer l'écorce de la fibre. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, ouais. Ensuite, il faut l'ébouillanter. On peut alors la hacher et l'écraser.
Elle devient alors une sorte de purée de pommes de terre. On plonge cette pâte dans l'eau et on la passe au tamis. C'est à ce moment que les feuilles sont formées. Il faut ensuite les superposer pour bien les aplatir. Une fois séchées, il ne reste plus qu'à polir la feuille avec un coquillage et une agate pour qu'elle soit douce comme de la soie. Et forcément, votre papier, ça fait un peu écho aussi à l'histoire, au commerce, hein, sur la route de la soie. Bien sûr, les caravaniers qui venaient de Chine échangeaient leur tissu en soie contre le papier de soie de Samarcande. Ce papier était une des sources de richesse produites pour le commerce de la route de la soie. Partout dans le monde, on attendait le papier de soie ouzbek avec impatience. Tenez, c'est pour vous. Merci. Samarcande, Ouzbékistan, oui. Bienvenue. Merci. J'ai l'impression d'avoir un manuscrit précieux comme ça qui va me porter bonheur tout au long de mon voyage. En Ouzbékistan, le talent des artisans est un trésor vivant, qu'il soit brodeur, peintre miniaturiste ou tisserand. Chokir, 73 ans, est l'héritier d'une longue lignée de forgerons. Dans son vieil atelier de Boukhara, il transmet à Samad, son petit-fils, tout son savoir-faire. Notre famille exerce cet art depuis plus de 400 ans. Forgeron, c'est le métier le plus indispensable de la vie quotidienne. Toutes les familles ont besoin d'instruments en métal, en fer ou en acier. Et ce n'est pas un hasard si ce métier a perduré ici à travers les âges. Boukhara, c'est la capitale des artisans. Car la route de la soie y faisait étape entre la Chine et l'Europe. Alors, les métiers de forgeron, de coutelier, de ciseliers se sont d'abord développés ici, avant de se répandre ensuite dans toute l'Asie centrale. Maintenant, l'acier a pris la forme du couteau, mais pour que cela soit joli, il faut faire attention aux manches. Entre la gravure de la lame et le manche de couteau, il reste à Chokir encore 4 jours pour terminer son travail d'orfèvre. Avant, il confectionnait surtout des objets utilitaires, comme des fers à cheval ou des outils agricoles. Aujourd'hui, ce sont surtout des couteaux, ou encore ces étonnants ciseaux. C'est moi qui ai inventé cette forme d'oiseau. Vous ne les verrez qu'ici. À l'origine, ces ciseaux étaient faits pour couper les papiers de broderie en fil doré. Lui aussi nécessite de la dextérité, mais dans un registre différent. Aziz est ma sœur. Il travaille au hammam de Borzikord de Boukhara, comme avant lui son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Pas d'électricité, des murs aux briques usées par le temps. L'atmosphère de cette institution fondée au XVIe siècle est une invitation à la nostalgie. La construction est d'origine, avec les coupoles, les niches, on a juste restauré le sol, mais le reste, on l'a gardé comme c'était. La technique de ce massage est apparue à l'époque d'Avicenne, qui était répandue au XVIe siècle. Comme dans la médecine, une sorte de thérapie manuelle. Ce sont nos ancêtres qui le pratiquaient. Ce massage est orienté pour les articulations et les muscles. C'est l'idéal quand on a mal aux jambes et aux reins. Un massage tonique à la sauce ouzbek. Il n'y a que les hommes qui font ce type de soin, car il exige beaucoup de force. Il faut être costaud et manger du plov. Malgré les apparences, ce massage aurait des vertus relaxantes. Moi, je viens une fois par semaine au hammam.
Quand on se fait masser, on sent d'abord des douleurs. Ensuite, on s'habitue et enfin, on se relaxe. On se sent léger comme un oiseau. Autre métier traditionnel qui perdure en Ouzbékistan, celui de céramiste. Et impossible de rester de marbre devant la profusion de mosaïques et de majoliques qui ornent les rues de ces cités mythiques. Une maîtrise de la terre dont Abdoulo est le digne représentant. Sa famille s'illustre dans la poterie depuis 7 générations. La poterie est un métier sacré qui réunit les 4 éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. On peut dire que c'est la sagesse de l'humanité et l'un des premiers métiers apparus dans l'histoire. Ces pièces, façonnées et décorées à la main, déclinent toute une palette de tons ocre typiques de la région. La réputation d'Abdoulo a vite dépassé les frontières de son petit village. Il est devenu une vedette nationale, au point de recevoir dans son atelier la visite d'Hillary Clinton et du prince Charles. Mais ce dont il est le plus fier, c'est que son fils ait décidé de renoncer aux sirènes de la modernité pour poursuivre l'aventure familiale. Maintenant, je suis tranquille, car j'ai pu lui transmettre mon savoir. Dans la pièce voisine, l'âne de la famille tourne le moulin qui va produire l'émail. C'est l'âne le plus heureux du monde, car il ne travaille qu'une fois par mois et le reste du temps, il se repose. Au total, pas moins de 24 étapes seront nécessaires pour fabriquer ces poteries cuites au feu de bois. À travers ses créations, Abdoulo perpétue des techniques ancestrales. J'aime observer l'architecture des anciennes mosquées, surtout les mosaïques. En tant que spécialiste, je peux vous dire que ce sont des merveilles. Je me demande toujours comment l'homme a pu créer cela au 15e et 16e siècle. Je suis admiratif. Une finesse des décors en faïence des monuments qui témoigne de l'extraordinaire maîtrise des artisans ouzbeks au fil des siècles. Qu'est-ce que t'es jolie, t'es très élégante. Ça me gêne un peu de venir comme ça, moi. Mais non, ne t'inquiète pas, tu es très bien comme ça. On est toujours très heureux d'emmener des amis avec nous aux fêtes de mariage. Et tout le monde est très content de recevoir une invitée française. Alors les mariés, qui sont-ils? Saddam et Dishoda. Saddam a 25 ans et Dishoda 23. Ils ont choisi de faire un mariage selon nos anciennes coutumes, sans rien de religieux. Bon, on va vraiment au cœur d'un mariage ouzbek traditionnel. Oui, ça va être une fête magnifique. Avec toute sa famille et ses amis. Qu'est-ce qui se passe alors? Où est la mariée? Il vient la chercher chez elle, dans sa famille, et nous allons tous la découvrir avec lui dans un instant. C'est très joyeux en tout cas. Ah oui, tout le monde est très heureux. Elle est magnifique, la mariée. Oui, elle est très très belle. Salam. Salam alaikum. Quelle robe, dis donc. Ils sont vraiment très très beaux. Et quelle... Ils vont aussi bien l'un avec l'autre qu'un anneau serti d'une pierre. Que notre fille vieillisse avec celui auquel elle s'unit, qu'elle nous donne beaucoup d'enfants, qu'elle s'installe solidement comme une pierre et qu'ils vieillissent ensemble. Que Dieu les bénisse. Oh,
Tac. Voilà. Comment se passe votre journée? Super bien. Il y a eu beaucoup de préparatifs, c'est hallucinant. Et on est déjà en retard pour le reste de la cérémonie. Mais Dieu merci, c'est merveilleux. C'est un passage obligé pour vous d'être ici? Qu'est-ce que ça représente, cette photo, là, ici, tous ensemble? C'est très important. Nos ancêtres ont vécu ici et nous voulons être soutenus par leurs esprits pour que notre vie soit heureuse. Bien sûr, il y a d'autres lieux historiques. On aurait aussi pu aller en discothèque fêter notre bonheur. Mais être devant le résistant, c'est le plus important pour nous. En tout cas, je voulais vous dire que vous étiez vraiment un très joli couple, très sincèrement, et je crois qu'on a là la plus belle mariée de Samarcande, voire d'Ouzbékistan. Oui, c'est vrai. Et puisque vous avez vu le début de notre mariage, nous voulons que vous restiez avec nous jusqu'au bout. On va vous suivre toutes les deux avec grand plaisir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Changement de tenue alors là, hein. Oui, les mariés mettent maintenant leur tenue traditionnelle. Depuis toujours, les femmes quittent la maison familiale avec cette robe. Cela fait partie de la tradition ouzbek et j'y tiens beaucoup. Tout le monde est là pour leur faire vœu de bonne vie. Par exemple, nous avons allumé les bougies pour chasser les démons et protéger les mariés du mauvais œil. Le rituel du miroir, c'est pour que leur vie se passe sous une bonne lumière. Ils s'assoient sur des œufs pour avoir beaucoup d'enfants. Ils boivent de l'eau sucrée et mangent du miel pour que leur vie soit douce. Maintenant, on va aller faire tourner les jeunes époux autour du feu, avant que la mariée ne rentre dans ma maison, qui sera désormais la sienne. J'entends que le rituel a déjà commencé. Dépêchons-nous, sinon nous allons le manquer. La famille s'agrandit, c'est ça? Maintenant, elle va venir vivre avec vous, la femme de votre petit-fils? Non, ils vont rester ici provisoirement. Dès qu'ils auront un enfant, ils partiront vivre dans leur propre maison. Il faut que chacun vive sa vie en paix et en autonomie. Je souhaite beaucoup de bonheur aux mariés, hein, à votre petit-fils et à son épouse, et je leur souhaite plein de bébés alors. Et moi, je vous souhaite une bonne santé et du bonheur. Et venez plus souvent chez nous. Vous allez bien pleurer, madame. Merci, madame. C'est vraiment un mariage d'amour, hein. On le sent, ils ont l'air heureux tous les deux. Oui, ils sont amoureux depuis 3 ans. Ils se sont choisis, mais avant, ce n'était pas tout le monde qui pouvait se marier par amour. Beaucoup de mariages étaient arrangés entre les familles. Mais tout cela a bien évolué. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. C'est quand même un énorme investissement pour les familles. Oui, c'est vrai. C'est un énorme budget. On invite beaucoup de monde, on loue des voitures de luxe, on dépense une fortune pour la soirée. Par exemple, la famille de Saddam aurait invité près de 600 personnes. Mais maintenant, il y a une nouvelle loi, la loi Modestie, afin de diminuer les dépenses et l'endettement des familles. Elle oblige à rendre les mariages plus raisonnables et réduit le nombre d'invités à 200.
En tout cas, Gouli, sans toi, je n'aurais pas pu venir à ce mariage. Hein. Et sans toi, je n'aurais pas pu découvrir les merveilles de Saint-Marcande. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce voyage avec toi. Donc, merci pour tout, ma chère Gouli. Je t'en prie, reviens quand tu veux. Ma porte te reste grande ouverte. Aux confins du désert, dans la ville de Noukous, située à l'ouest du pays, se dresse un étonnant bâtiment, le musée Savitsky. Surnommé le Louvre du désert, il renferme près de 100 000 pièces, dont 9 000 tableaux. Essentiellement des peintures de l'avant-garde russe et ouzbek. Une incroyable collection que l'on doit à un homme. Igor Savitsky, un artiste russe excentrique. L'idée principale de Savitsky, c'était de sauver ses œuvres du régime soviétique, car la plupart des artistes étaient opprimés sous l'URSS, parfois même tués. Donc il a décidé de les cacher à Noukous, loin de Moscou et du régime. C'était une idée brillante. Il a amené ses œuvres à Noukous par train et il a dû les dissimuler aux autorités. Collectionneur compulsif, Savitsky achetait des œuvres cachées dans les greniers ou sur le point d'être jetées pour échapper à la répression. Une époque où les interdits étaient nombreux. Artiste engagé politiquement, homosexuel ou qui peignait des thèmes tabous, comme avec ce tableau intitulé « Le Capital », dont une moitié a été détruite. La collection du musée est encore largement confidentielle. À peine 3% des œuvres ont été dévoilées. Le reste, des dizaines de milliers de tableaux et gravures, est soigneusement conservé dans de gigantesques archives. Beaucoup de musées, surtout de Russie, nous envient d'avoir cette collection. Donc nous nous sentons privilégiés de l'avoir. Grâce à ce musée, les Ouzbeks se réapproprient une partie de leur passé et de leur riche culture. Et c'est tout le pays qui semble progressivement s'ouvrir au monde. Dilnoza fait partie de cette nouvelle génération. Elle est créatrice de mode. Chaque mois, elle se rend au marché aux tissus de Tashkent. Bonjour papy, comment allez-vous? Bonjour Dilnoza. Je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui, je viens pour les tissus de ma nouvelle collection. Bon, le tissu que tu as devant toi, il est de bonne qualité. Les couleurs resteront vives et le tissu est résistant. Tu vois? Je viens ici depuis que j'ai 13 ans. C'est ici que j'ai voulu devenir créatrice. Dans cette boutique, j'ai l'impression d'être dans les contes des mille et une nuits et d'entrer dans la caverne d'Ali Baba. Pour moi, c'est le meilleur trésor que je puisse avoir. Regarde, si on fait les manches serrées, ça fera de jolis plis. Dilnoza s'inspire de motifs traditionnels ouzbeks pour concevoir des tenues aux coupes modernes qui plaisent aux jeunes. La soie est lumineuse, brillante, radieuse, car chaque artisan qui a travaillé ajoute une part de son cœur à la fabrication. Donc le tissu, il s'empare de cet amour et il brille comme le soleil. Que Dieu t'aide dans tes projets. Merci, papy. À la prochaine. Dans son atelier, une dizaine de petites mains s'activent sur sa nouvelle collection avec en ligne de mire la Fashion Week de Tashkent, prévue dans quelques jours. Ce tissu sera à l'intérieur, sous le velours. Lors de mon premier défilé à l'étranger, j'étais un peu triste. Quand je disais que je venais d'Ouzbékistan, les gens disaient « Pakistan, Azerbaïdjan ». Personne ne connaissait notre pays. Donc cela m'a renforcée dans mon envie de faire la promotion de l'Ouzbékistan.
Un pays dynamique et tourné vers l'avenir, où 40% de la population a moins de 25 ans. Quelques jours plus tard, c'est la dernière ligne droite pour Dilnoza. Elle supervise les répétitions de son futur défilé. Là, on va ajouter quelques petits accessoires. Tourne-toi. C'est très beau. Cette robe était vraiment faite pour toi. Il y a beaucoup d'opportunités de nos jours. Et avec notre grande histoire, on se doit de faire honneur à de belles tenues lorsque l'on sort sur les podiums du monde entier. Entre modernité et tradition, le nouvel Ouzbékistan rêve de prendre son essor. Belle collection de chapeaux là. Je vois même que vous avez des vieilles casquettes de l'époque soviétique. Ok. Je vais essayer un chapeau traditionnel plutôt. Celui-là. Celui-ci est à l'ancienne mode. Ah oui, c'est joli ça. 1950. Qui c'est qui les portait ces chapeaux? Sans visière, c'est pour les femmes. Ah bon? C'est les femmes qui portent ces chapeaux? Ah d'accord, je pensais que c'était les hommes. Et ça là? Celui-là est mouton. Fais voir. Dis donc, ça doit tenir chaud ça. Ah oui, ça me va bien, je crois. Bah, tu vois, finalement, avec ces trois chapeaux, ça me résume un peu l'histoire de l'Ouzbékistan. Hein. Salam! J'ai réservé une chambre et j'ai rendez-vous avec Barodir. Ah, Barodir. Oui. Il est par là. Par là? Ok, merci. Barodir! Barodir! Bonjour, Sophie. Assalamu alaikum. Bienvenue. Ravi. Assalamu alaikum. Bonjour, Barodir. Je t'attendais. Je peux te débarrasser de ton sac? Merci. C'est gentil, c'est gentil. Quel bel endroit, dis-moi, Barodir. Je suis sûre que ce lieu a une histoire passionnante. Tu peux me la raconter? C'est une maison du 18e siècle qui appartenait à une grande famille juive. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous l'avons rachetée pour préserver le patrimoine historique de Boukhara. On a fait de petites rénovations, mais dans les chambres, nous avons conservé l'esprit de l'époque. Et toutes les photos qu'on voit là, ici, racontent un peu l'histoire du lieu? Ces photos ont été prises entre 1917 et 1920. Elles montrent les bâtiments et la vie quotidienne de l'époque. Tu me parles de la présence d'une communauté juive ici à Boukhara. Elle est vraiment importante parce que pour moi, Boukhara, c'était vraiment le carrefour majeur des civilisations islamiques, mais il y a aussi une présence juive. Autrefois, il y avait ici une grande communauté juive. D'ailleurs, la synagogue existe toujours. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques centaines de juifs à Boukhara. Mais les gens vivent ici, toujours ensemble, sans distinction de croyance. Viens maintenant, Sophie. Je vais te montrer ta chambre. Ici, dans notre maison, on reçoit beaucoup d'Européens. On les considère comme des hôtes de la famille. Bon bah, je me sens comme ton invité, alors. En tout cas, ça a été facile pour moi de venir en Ouzbékistan parce que j'ai pas eu besoin de visa, bah, comme tous les touristes, d'ailleurs. Oui, vous pouvez venir visiter l'Ouzbékistan sans visa. Voici ta chambre. Oh là là, que c'est beau!
Je m'installe, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci pour ton accueil. On se trouve où, nous, exactement, là, sur le plan ? On se trouve ici, dans le quartier de la vieille ville. D'accord, ok. Partout, par là, on peut voir les bâtiments historiques de la vieille ville. Tout se trouve à moins de 5 minutes à pied d'ici. Toute la vieille ville est devant nous, là. Donc, tu veux bien m'accompagner en ville ? Tu es mon guide, exceptionnellement ? Avec plaisir. Alors, très bien. Allons-y. Ce qui est vraiment intéressant ici à Boukhara, c'est qu'on retrouve vraiment une vieille ville. C'est ça qui fait vraiment le charme de la ville. Ah, Sophie ? Oui, Sophie. Depuis mon enfance, j'ai toujours connu ces ruelles où je jouais avec mes copains. Aujourd'hui encore, elles sont l'âme de Boukhara. Chaque fois que je passe par ces ruelles, ça me rappelle mon enfance. C'est un peu le petit souk de Boukhara, là, hein? Da. Hein? Souk. Joli, ça. Salam. C'est un instrument de musique traditionnel ? Oui, oui, c'est le guijak. C'est un peu un phénix, non, Boukhara ? Elle a souvent été détruite et reconstruite. Oui, c'est vrai que la ville a été plusieurs fois détruite, parfois en partie, parfois complètement. Au XIIIe siècle, par exemple, Genghis Khan est venu conquérir Boukhara. Plusieurs quartiers ont alors été détruits, mais Boukhara a toujours su se relever et rester vivante. Cette ville et ses habitants sont indestructibles. Ici, nous sommes sur la place Labikaouz. Ça a toujours été la place la plus importante de la ville. Quand on est à Boukhara, c'est le lieu de rendez-vous de tout le monde. Là, par exemple, on voit des mariés venus se faire photographier. Il y a même un petit pêcheur. Sophie, on se retrouve là sur la plus belle et la plus ancienne des places de Boukhara. La place de l'ensemble Poykhalon. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'on appelait cette tour la tour de la mort, puisque de son sommet, on jetait les impies et les condamnés à mort? Bon, ça, c'est la légende. Mais en vérité, cette tour a été conçue comme un phare pour guider les voyageurs perdus et les caravanes vers la ville. Elle mesure 49 mètres de haut. Du coup, c'est facile de la voir de loin. Boukhara était vraiment l'oasis dans le désert pour les caravaniers. On s'installe là ? Oui, après toi. Merci. Voilà, la fonte s'impose, on va dire. C'est l'endroit où faire un coup de thé. On peut avoir deux thés, s'il vous plaît ? Je dois t'avouer un véritable coup de cœur pour Boukhara. Oui, cette ville, c'est un peu comme une mère pour moi. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de ces monuments. Je reste toujours fasciné par cette architecture. Et avec ce coucher de soleil, cela me donne une émotion particulière. Thank you.
Autre perle de la route de la soie, Khiva, sans doute la ville la mieux conservée d'Ouzbékistan. Forteresse de désert retranchée dans ses murailles de briques, la cité jadis réputée pour son marché aux esclaves est devenue aujourd'hui un musée à ciel ouvert. À l'intérieur des remparts, une profusion de mosquées et de palais. Sans oublier son minaret inachevé. Mais en arpentant les ruelles piétonnes de Khiva, on découvre un autre patrimoine, plus méconnu, ses marionnettes. Dans son échoppe, Matt Yacoub est l'un des deux derniers fabricants. Il y a 1000 ans, nos ancêtres faisaient déjà des marionnettes. Ils utilisaient du cuir, puis du chiffon, et enfin on a inventé le papier mâché. Cinq jours et plus de 15 couches de papier mâché sont nécessaires pour fabriquer ces marionnettes destinées aux petits comme aux grands. À l'origine, le but de ces marionnettes, c'était de divertir à l'époque des Khans, les souverains du XVIe siècle. Des artistes faisaient des spectacles dans Khiva avec les marionnettes et se moquaient des dirigeants. Ils faisaient rire le petit peuple. Une cité qui a toujours aimé s'amuser et que Matt Yacoub ne quitterait pour rien au monde. Khiva est une ville magique. Ce n'est pas une ville des États-Unis ou d'Europe, mais on s'y sent riche. Il ne s'agit pas d'une richesse matérielle, mais spirituelle. Cette ville est un don de Dieu. Bienvenue à Khiva. Bonjour. Dans la rue aujourd'hui, ce sont ces marionnettes géantes qui divertissent les habitants comme les visiteurs étrangers. Grâce à elles, Khiva espère attirer toujours plus de voyageurs. Pour les accueillir, la ville s'est lancée dans un spectaculaire chantier de restauration de vieilles demeures. Dans la Madrasa Férouz, une ancienne école coranique datant du 19e siècle, les travaux touchent à leur fin. Nous allons ouvrir cet établissement pour que les touristes se sentent comme au 19e siècle et qu'ils voient comment vivaient les élèves de la madrasa à l'époque. On essaye de préserver l'ambiance de ce lieu. Un futur hôtel de charme de 28 chambres, mais ancienne madrasa oblige, l'atmosphère des lieux demeure sobre. Pour le confort des touristes, on n'a changé que des petites choses, comme le lit, les fenêtres ou les toilettes. Mais on a réussi à garder la structure authentique de la chambre. Les escaliers restent tordus et périlleux. Mais pas question de faire n'importe quoi avec l'architecture ou de toucher à ces antiques colonnes en mosaïque. L'hôtel n'a pas encore ouvert qu'il a déjà reçu des réservations. Preuve du potentiel touristique de Khiva. Beaucoup de villes dans le monde se ressemblent, mais Khiva, elle, est unique. Les gens qui viennent ici ne l'oublient jamais. Autre ambassadeur qui veut faire rêver les visiteurs étrangers, Ramazan le funambule. Avec sa petite troupe, dont son fils, Jabarov, 4 ans, il propose chaque après-midi des acrobaties au cœur de la vieille ville. Allez, monte sur ma tête. N'aie pas peur. Garde ton équilibre. Regarde tout droit. Question d'équilibre. Il faut débuter tôt pour être un bon funambule.
Mon fils va commencer à 5 ans à marcher sur une corde de 50 cm de hauteur. À 7 ans, ce sera une corde à 1 mètre. C'est comme ça qu'on m'a enseigné et qu'on va lui apprendre. En attendant que son fils soit la seule vedette, c'est Ramazan et son frère qui montent sur la corde. Une demi-heure de spectacle sous les yeux du grand-père, lui-même ancien funambule. Appelé d'Orbose, cette tradition du cirque et des acrobaties remonterait à plusieurs siècles et reste très populaire en Ouzbékistan. Quand mon grand-père a commencé à être funambule, c'était juste pour des spectateurs locaux, durant les grandes fêtes. Puis nous avons commencé à le proposer ici, à Kiva, aux voyageurs étrangers, il y a quelques années. Et quand Djabarov rejoint son père à 8 mètres de haut, nul doute, la transmission du flambeau est assurée. Un spectacle aérien et hors du temps, dans cette ville qui brûle de retrouver sa grandeur passée. On est dans le plus grand marché de Boukhara. Il est surtout fréquenté par les habitants de la ville. Ça sent bon dans ce marché. Nous arrivons dans la partie du marché qu'on appelle le bazar. Bonjour monsieur, salam. Assalamu alaikum. Sophie, tu sais, notre plat traditionnel le plus connu, c'est le plov. Ça se prépare avec du cumin, alors on va en acheter. Montrez-moi ce que vous avez comme cumin. Il faut l'écraser un peu dans la main pour bien le sentir. Celui-ci, on l'utilise pour les samoussas et celui-là pour le plov. Ça sent très très bon. Hein. C'est combien le cornet? C'est 5000 soums le gobelet. Un, deux... Et un en cadeau, un autre, pour que tu deviennes ma cliente. Merci. Parfait. C'est beau en plus. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces portes. Marhamat. Écoute, tu parles français, Nassiba? J'essaie un peu. Ah, tu vas pouvoir m'expliquer tout ça en français, oui, alors. Oui, j'essaye. Bon, Sophie, moi, je dois aller préparer le plov pour ce midi. Tu peux rester ici avec Nassiba et son père et on se retrouve plus tard. Formidable, je suis en très bonne compagnie. À tout à l'heure, en tout cas. Merci pour tout. Hein. Qu'est-ce que c'est joli, ce que tu fais. Suzani, on pourrait le traduire comment? Alors, le mot Suzanne, c'est le mot perse. Suzanne, c'est une aiguille. Quand on dit Suzanne, c'est là où dire travaux manuels à l'aiguille ou bien au crochet. Donc, préalablement, tu dessines donc sur le tissu. Oui, mon papa et mes deux frères, ils sont notre créateur. C'est eux qui dessinaient les dessins, c'est eux qui décidaient les couleurs aussi. Et on a essayé de refaire anciens motifs de Boukhara aussi parce que cet artisanat a commencé en Ouzbékistan, en Boukhara plutôt, à l'époque 5e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, c'est gardé par les Ouzbeks parce que c'est pas seulement pour les décoratifs, c'est la dot des fiancés ouzbeks aussi. Et par exemple, ça peut atteindre quel prix les Suzani les plus précieux que tu aies vendus? Papa, un Suzani, ça se vend de combien à combien? Si on parle en euros, ça commence à 5 euros. Et selon le travail, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. Oui, parce qu'il s'agit d'heures et d'heures de travail, là. C'est ça. Et alors, ce fil, alors? C'est vous qui le faites, le fabriquez? Vous fabriquez votre propre non, fil? On achète directement quand c'est écru.
Et après, chaque famille, chaque école, il y a son recette spéciale. Notre recette de teinture qui était transmise l'arrière des grands-parents en grand-parents de mon papa. Et... Un jour, des clients m'ont demandé une couleur précise que je n'avais jamais faite. J'étais parti acheter des fruits au marché et j'ai vu les cerises. En les prenant dans ma main, je me suis dit, mais c'est cette couleur. Du coup, j'ai acheté 25 kilos de cerises et j'ai pu faire la couleur pour mon client. Et ce fil est arrivé grâce aux commerçants qui ont transité sur cette route de la soie. C'est ça. Ouais. Tu es heureuse, toi, de travailler avec ton papa? Parce qu'elle est, elle est belle, hein, cette transmission entre vous deux. Hein. J'ai toujours à côté mon famille, ça c'est l'important. Oui. Pour la fille d'Ouzbek. Parce que la fille ouzbek, après le mariage, elle est obligée de vivre avec la famille de son mari. Et donc toi, tu t'es pas mariée? Et j'ai marié, j'ai déjà deux fils. Mais au début, mon mari qui n'était pas d'accord, que je travaille, et il me dit non, tu restes chez moi, tu gardes les enfants, tu gardes mes parents. Et mais à la fin, il a vu que c'est mon vie. Sophie, Sophie, voilà notre spécialité nationale. Voilà le fameux plov. Oh, que c'est beau! Il faut que tu me racontes un peu, c'est quoi la recette de ce plat et son histoire aussi? Ce plov a été préparé avec des produits frais du marché. Du bœuf, des carottes, des raisins secs et des pois chiches. Chaque ingrédient est cuit séparément. Puis ils sont empilés en étages par-dessus le riz qui a été cuit façon pilaf. D'accord. Et on boit du thé avec ça hein, pour faire passer. D'accord, c'est un plat de partage. On se sert ou on mange directement dans le plat? Comment on fait? Pour bien le déguster, il faut prendre de tous les ingrédients à la fois dans ta cuillère. On prend des forces avec ça. Hein. Toi, tu en manges depuis toujours du plov? Dans ma famille, comme chez la plupart des familles ouzbèques, le plov est le plat préféré et le plus consommé. On en mange 3 fois par semaine. Comment on dit bon appétit? D'accord, bah, bon appétit. Son nom est associé à l'une des plus grandes catastrophes environnementales du XXe siècle. La mer d'Aral. En quelques décennies, le 4e plus grand lac du monde, grand comme 2 fois la Belgique, disparaissait progressivement. À Moynac, ancien port près de la mer, il ne reste aujourd'hui qu'une stèle, des épaves vestiges d'un glorieux passé et quelques nostalgiques. Ce bateau est lié à l'histoire. Et avec ma propre vie. Donc je veux l'immortaliser sur le papier avant qu'il ne disparaisse. À 72 ans, Anvar est le peintre du village. Il garde en mémoire les temps où cette mer était indomptable. Mon père était pêcheur. Il me prenait avec lui et il m'a tout appris. J'ai navigué sur ce bateau-là. J'ai vu les tempêtes. On est resté sous les vagues. Des vagues comme une montagne qui nous passait dessus. Mais un jour, les fleuves qui alimentaient la mer d'Aral ont été détournés pour irriguer les cultures. Et la mer a commencé à se retirer. Quand je suis parti pour mon service militaire, il y avait plein d'eau. C'était en 1965, et quand je suis revenu 3 ans plus tard, la mer avait disparu. Tout ce que vous voyez ici, c'était le fond de la mer. Il s'appelait Pachot Naya. Cela signifie le vénérable. Ce bateau me tient vraiment à cœur. Il m'a sauvé la vie dans les tempêtes. Je l'aime beaucoup.
Mais depuis quelques années, l'espoir renaît. Les autorités ouzbèques ont décidé d'agir pour faire revivre la mer. Premier objectif, végétaliser la zone avec le saksaoul, une plante résistante au climat désertique et qui lutte contre l'érosion. Tout cela grâce à une armée de tracteurs. Ici, on a plus de 70 machines qui sont déjà opérationnelles. Elles ont déjà planté des graines l'an passé pour la future saison. Dessus, on a écrit « Orol Umidi », ce qui veut dire « espoir de la râle ». Même si la mer s'est retirée, notre espoir, lui, ne s'est pas asséché. Près de 400 000 hectares ont déjà été plantés. Une action qui porte ses fruits. De l'ancienne grande mer d'Aral ont ainsi émergé des petits lacs. Et ça n'est pas fini. Un vaste chantier est engagé pour acheminer encore plus d'eau. Le canal que nous creusons ici fait 25 km. Le but de ces travaux, c'est d'amener l'eau du fleuve jusqu'au lac. Cela va développer les activités de pisciculture et donc améliorer l'économie de la zone. Une mobilisation qui redonne un avenir à toute une région. Année après année, les lacs regagnent du terrain sur le désert. Les pêcheurs de Moynac ont pu reprendre leur activité. Tous les matins, ils sont sur le pont. Dans leur barque de fortune, Palajat et Noulan remontent leur précieux butin. Des carpes et des anguilles. La prise du jour reste modeste, mais elle suffira à faire vivre leur famille. Ce poisson-là est très goûteux. Les Ouzbeks adorent en manger. Je pêche depuis mes 20 ans, comme mon père avant moi. Il me parle souvent de la mer d'Aral et m'a dit qu'à l'époque, il y avait plus de 70 espèces de poissons. La majorité a disparu, mais on espère qu'ils reviendront. Ils sont une centaine à vivre de cette activité, réunis dans une coopérative. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de poissons. C'est un jour de chance. Et chaque année, il y en a un petit peu plus. Avec la construction du canal, le lac devrait encore s'élargir et garantir de meilleures pêches. La ville va d'ailleurs bientôt inaugurer une conserverie de poissons. Tous espèrent maintenant que la mer d'Aral redevienne cette immense étendue bleue. Salam. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Salam. Salam. Je cherche Mustapha. C'est moi. Salam. Bonjour Mustapha. Bonjour messieurs dames. Bonjour madame. Assalam. Bonjour les enfants. Bienvenue. Je suis ravie d'être là. Vous savez Mustapha, si je vous ai rejoint, c'est parce que j'ai vu des choses magnifiques. Mais il me manquait la vie dans les steppes et on m'a dit qu'avec vous, je pouvais partager ce quotidien dans les steppes. Est-ce qu'il existe encore des populations nomades ? Non, il n'y a plus de nomades. Les gens vivent dans des villages au milieu de la steppe avec leurs animaux parce qu'on ne peut pas vivre sans eux, puisque les chevaux, les moutons, les chameaux, comment dire ? C'est notre seule richesse.
Vous permettez que je fasse un petit tour à cheval avec vous? Oui, bien sûr, les chevaux sont prêts et on peut y aller. Bienvenue dans notre Ouzbékistan à nous. Je savais que j'étais au bon endroit avec vous. Vous me prêtez votre mari, madame? C'est pas trop bas pour elle? Non, je pense que c'est bon. Moi, je pense que c'est trop bas. Allez, saute! Bravo, la femme courageuse. Tiens. Merci. Les paysages sont magnifiques hein, ici, Mustapha. C'est vrai que c'est beau. La nature a donné sa beauté à la steppe pour que les jeunes filles viennent y cueillir des fleurs au printemps. C'est vraiment un moment exceptionnel de pouvoir être là avec toi ici, Mustapha, dans les steppes. On pense forcément hein, aux caravanes des routes de la soie. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette mythique route de la soie? En fait, c'est toute notre histoire. Toute notre histoire. Si la route des caravanes n'était pas passée par ici, il n'y aurait pas eu de vie. Les villageois n'auraient pas pu survivre, parce que dans la steppe, il n'y a rien. Tout le monde doit se souvenir que le peuple survivait grâce aux routes des caravanes qui passaient par là. Oh, oh. Doucement, doucement, calme-toi. En tout cas, ton cheval est digne et fier, hein, comme les cavaliers ici. Sans cheval, les cavaliers sont invisibles. Toi, en tant que cavalier, est-ce que tu te sens un peu digne héritier de ces caravaniers? Oui, bien sûr, mais tu sais, on ne devient pas cavalier par hasard. Il faut avoir de la patience, des capacités et beaucoup de courage. Et surtout, il est impossible de devenir cavalier sans feu dans son cœur. Ces lunettes. Ouh, elles te vont bien ces lunettes, hein. Voilà, ah, voilà. Voilà, comme ça on dirait une petite aventurière. Voilà, salam alaikum. Merci. De quoi parle cette jolie chanson? C'est une chanson d'amour. Elle parle d'une jeune fille enlevée par son amoureux. Les Kazakhs ont pour coutume d'enlever leur fiancée. Moi-même, j'ai enlevé ma femme. D'accord. Les gens sont amoureux, ils se fréquentent, et un jour, le garçon vient en voiture et enlève la fille. Et tu allais voler la fille? Oui, mais elle était d'accord. On se fréquentait depuis quelque temps, mais son village était à plus de 80 km de chez moi. Alors un jour, elle est venue au rendez-vous, on a décidé de se marier, elle est montée dans ma voiture et nous sommes partis. Mais moi, je croyais que tu allais la voler à cheval, ta fiancée. Ah non, ça faisait trop loin. Mais, ça se fait. Mais si elle avait été près du village, je l'aurais fait. D'accord. Mmh, ça sent bon. Mmh. Oh là là, il est bon ce pain. Avec les caravansérails, c'est l'une des habitations symboliques des steppes d'Asie centrale, la yourte. Un mode de vie nomade très présent en Mongolie et qui a failli disparaître en Ouzbékistan. Aujourd'hui, il renaît avec le développement du tourisme.
Azamat tient un atelier de fabrication de yourtes dans la région de Chimbay, à l'ouest du pays. Ce matin, il doit se fournir en bois, la matière première. On coupe les branches une fois par an, au printemps. Cet arbre, c'est un koratol, aussi appelé le saule noir. Ces branches élastiques sont idéales pour fabriquer une yourte. À 33 ans, et malgré son jeune âge, Azamat a déjà une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine. Je suis la troisième génération à faire ça. C'est mon grand-père qui a ouvert l'atelier de fabrication de yourtes dans les années 70. Et notre activité est en plein développement, car les yourtes reviennent à la mode. Ses clients, des éleveurs, des restaurants ou des camps pour touristes. Dans son atelier, une trentaine d'artisans œuvrent à ses côtés. Pour fabriquer une yourte, selon la taille, il faut de 400 à 800 branches. Chaque yourte nous prend environ un mois et demi de travail. Ici, nous avons un stock de 2000 branches, de quoi faire 4 à 5 yourtes. Chaque branche est d'abord râpée et limée, puis on alterne des phases d'humidification et de séchage afin de lui apporter un maximum de souplesse. Cette branche utilisée pour l'armature, il faut faire attention à la force qu'on emploie quand on la courbe, pour ne pas la casser. Il faut sentir la branche et savoir jusqu'à quel point on peut la courber. On a d'ailleurs une branche modèle pour nous aider. Un peu plus loin, une autre partie de l'équipe travaille sur les finitions et les décorations de la yourte. Ça va? Pas trop fatigué? On fait aller. Là, nous faisons la ceinture de la yourte, entre la porte et le toit. On peut dire que c'est notre nid pour toute la famille. Même si aujourd'hui nous vivons dans des maisons fixes, devant nos maisons, il y a toujours une yourte. C'est un hommage à nos ancêtres nomades. Et j'espère que nos enfants n'oublieront pas ce mode de vie. Et pour cela, rien de tel que le partage de savoir-faire entre trois générations. Voilà, regarde. Ne te presse pas trop. Au vu du travail nécessaire, Azamat ne peut fabriquer qu'une dizaine de yourtes par an. Cet après-midi, il doit justement livrer une cliente qui souhaite ouvrir un camp de yourtes dans la région. Bonjour. Bonjour. Ce sont les éléments ? Oui. Regardez, je pensais dresser la yourte près de la rivière. Le paysage est beau ici. Qu'en pensez-vous ? Trois heures de montage sont nécessaires pour dresser la yourte. Quand on construit la yourte, il faut faire attention à la jonction des barrières en bois. Il faut les fixer solidement avec des cordes, sinon, en cas de vent fort, la yourte peut tomber. Vous êtes prêts? Allez, on monte! Attention, tourne de ce côté. Ça, c'est le chanarak, la partie supérieure de la yourte. Une sorte de couvercle. Il faut la monter en restant bien centré pour que la yourte soit jolie. Azamat a un carnet de commandes plein pour les prochains mois. Preuve de l'engouement pour ce type d'habitation. Les touristes aiment beaucoup dormir dans les yourtes, car ils ont le sentiment de vivre la même expérience que nos ancêtres. C'est confortable en été, il y fait frais, et en hiver, il fait chaud à l'intérieur. En plus, on s'y sent plus libre et indépendant que dans une maison classique. Cette yourte de 15 mètres carrés est vendue près de 1000 euros. En France, elle coûterait 15 fois ce prix. Merci Azamat, c'est exactement ce que je voulais. Merci à vous. Je vais en recommander d'autres, merci.
Grâce à Azamat, l'héritage de la culture nomade peut perdurer. Et les yourtes viennent refleurir les steppes d'Ouzbékistan. Mustapha, je sais que c'est un jour important pour toi, ces jours de Oulak, mais il faut que tu me racontes ce que c'est exactement. Il y a plusieurs siècles, un village a été attaqué par des loups. Pour se défendre, les hommes sont montés sur leurs chevaux et ont pourchassé les loups. Une fois les loups tués, ils se sont amusés à galoper en jouant avec leurs carcasses. Au fil du temps, ils en ont fait un jeu en remplaçant le loup par une chèvre. Pauvre bête, la chèvre. Pourquoi vous avez choisi de faire ça avec une chèvre et pas un ballon? Parce que c'est une coutume. La bête doit être une chèvre, engraissée, tuée, vidée et recousue. Puis elle est jetée au milieu du terrain pour le jeu et à la fin, elle est mangée. Allez, c'est parti! Attention à la poussière! Courez, allez, courez! Donne des coups de cravache! Donne des coups de cravache! Prends la chèvre! Alors, quelles sont les règles du jeu? Chacun doit essayer de s'emparer de la carcasse de la chèvre. Celui qui sort du cercle et franchit la ligne d'arrivée gagne la manche. Les cavaliers ne doivent pas se donner des coups de cravache, ils ne doivent pas se bagarrer. Quand un cavalier s'empare de la chèvre, ses adversaires doivent essayer de lui subtiliser avant qu'il n'arrive sur la ligne d'arrivée. Bon, en tout cas, je vois que c'est très difficile, hein, très dangereux hein, pour les cavaliers, mais aussi pour les chevaux. Hein. Ah oui, pour pratiquer le houlak, il faut des hommes courageux et des chevaux très vaillants. Muzaffar, allez, vas-y, prends-le. Toi, tu as pratiqué longtemps le houlak? Oui, depuis mon enfance, j'étais petit comme ça, j'y ai toujours retrouvé ma famille et mes amis. Un petit peu plus grand que lui, là. Oui, petit comme lui. T'étais un petit peu plus grand que lui, quand même. Et lui aussi deviendra cavalier, si Dieu le veut. Allez, Mustapha, un poème! Le pur sang est le meilleur ami du cavalier. Il est son orgueil et sa grande fierté. Cavalier ou non, le houlak donne à tous tant de joie. Est-ce que Mustapha, c'est un champion? Nous aimons les chevaux, nous aimons les braves, nous aimons notre peuple. Ouzbékistan, que le monde te respecte. Vous avez de la chance, d'habitude, il ne récite jamais de poèmes sans demander au moins 2 millions de soums. 190 euros. Samarcande est la plus belle face que la Terre ait jamais tournée vers le soleil. Eh bien, je suis bien d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle je souhaitais que ce voyage se termine ici. Alors, bien sûr, hein, il y a aussi la perle du désert, Riva, ou encore la sublime Boukhara. Je ne suis pas prête d'oublier cet extraordinaire voyage sur les routes de la soie en Ouzbékistan. J'espère vous avoir transmis mon bonheur d'avoir découvert cet incroyable pays. Alors, je voulais remercier chaleureusement les jeunes mariés,
leur famille de m'avoir accueilli dans ce très très beau mariage. Faire une grosse bise à Gouli qui m'a ouvert les portes de l'Ouzbékistan. Il y a une expression, Mirmandorchilik, qui est l'accueil légendaire ouzbek. Eh bien, sachez qu'ici, il y a toujours un thé chaud qui vous attend. Si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages, les amis.